pourquoi toi tu en parles dans tes réseaux et d'après toi, pourquoi les gens en fait ont du mal avec ça et c'est un sujet assez tabou, notamment dans notre communauté. Le fait de rencontrer quelqu'un. Donc pendant plusieurs années, pendant notre jeunesse, on t'a dit tout est haram, tout est haram, tout est haram. T'arrives à 25, 26, 27, 28 et j'en passe, il faut trouver quelqu'un. Et mes parents me l'ont fait remarquer. Ils m'ont dit il serait peut-être temps que tu penses un peu au mariage parce que projet, 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 mais à quel moment tu vas laisser un homme rentrer dans ta vie? Puis de l'autre côté, les femmes, elles comprennent pas pourquoi les hommes ils sont si terre à terre et qu'ils Ouais. sont pas ouverts d'esprit. Et donc on le veut pratiquant mais pas trop, on le veut charismatique mais pas macho, on le veut tout ça. Salam alaikum, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai une invitée, Yersen, qui est là. Salut. Et on va vous parler du célibat et je m'intéresse en fait à comment vivent les jeunes aujourd'hui leur célibat et comment ils font pour trouver la bonne personne. On se retrouve juste après le générique, restez avec nous. Du coup, salam alaikum, Yersen. Alaykoum salam. Merci d'être là. Avec plaisir. Je te propose déjà de te présenter pour ceux qui nous suivent sur la chaîne. Alors, moi, je m'appelle Yersen, j'ai 28 ans, donc je suis pharmacienne et je fais des vidéos sur les réseaux sociaux sur des thématiques qui me touchent, comme par exemple les études. Là, en ce moment, je parle du couple et c'est pour ça justement que je suis aujourd'hui avec toi pour parler du célibat. Du coup, ma première question, Yersen, c'est aujourd'hui, les femmes qui viennent me voir, peu importe leur âge, ont du mal à parler de leur célibat et je leur dis souvent, il faut activer le réseau pour trouver quelqu'un et tout, mais elles n'en parlent tellement pas, c'est un truc assez tabou et je voulais savoir pourquoi toi tu en parles dans tes réseaux et d'après toi, pourquoi les gens en fait ont du mal avec ça et c'est un sujet assez tabou, notamment dans notre communauté. Oui, alors c'est une très bonne question. Il faut savoir que déjà dans notre communauté, il y a énormément de sujets qui sont tabous. Et je vais rapidement évoquer le fait que, il y a beaucoup de choses qui sont haram, 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 dont le fait de rencontrer quelqu'un. Donc pendant plusieurs années, pendant notre jeunesse, on t'a dit tout est haram, tout est haram, tout est haram. Tu arrives à 25, 26, 27, 28 et j'en passe. Il faut trouver quelqu'un. Où allait la transition entre le haram et le halal et c'est un tabou. Pourquoi? Parce que justement on a grandi dans une éducation où les parents ne nous en ont jamais parlé. C'est un peu la honte. Du mariage, tu veux dire? Ouais, exactement, c'est un peu la honte de dire voilà, j'ai envie de me marier, j'ai envie moi aussi de rencontrer quelqu'un. Et on a grandi du coup dans cet état d'esprit qui fait qu'on s'est renfermé sur nous-mêmes. Et le fait de dire à ses parents voilà, je me sens prête de me marier et j'ai envie de me marier, bah, c'est une honte, on est mal à l'aise. Et moi, j'en parle en fait aujourd'hui avec ma communauté parce que je suis en âge de me marier. J'ai pris conscience que le mariage fait partie de la vie, fait partie de notre religion. Et j'ai aussi mis du temps à en parler ouvertement à mes parents. Mais je suis arrivée à un âge où je leur ai dit, voilà, faites des deux A pour moi aussi, parce que Ok, là, j'ai envie de me marier. c'est bien, ok, très Voilà. bien. Ok. Du coup, Hersen, ma deuxième question, ce serait, aujourd'hui, tu dis, je cherche à me marier, j'en parle autour de moi à mes parents, donc tu as mis peut-être un certain temps, tu disais, à en parler autour de toi. Donc tu actives un peu le réseau, quoi, finalement, Exactement. et tu demandes des doigts à tes parents, c'est très Exactement. important. Donc du coup, je veux savoir depuis quand tu recherches, parce que là, tu me dis que tu es pharmacienne aujourd'hui, diplômée, fraîchement diplômée. Exactement. Et mashallah, déjà félicitations, Merci, ça fait bravo. plaisir. Et du coup, depuis quand tu cherches à te marier? Est-ce que tu as attendu la fin de tes études ou pas? Et comment tu fais? Qu'est-ce que tu mets en œuvre pour y parvenir? Alors, encore une fois, très très bonne question. Je cherche à me marier depuis très peu de temps, donc depuis le 1er janvier 2021. Ah d'accord, ok, Ouais. d'accord. Tu me dis cherche à me marier, je dis à tout le monde, mais ça va, Non, non, tranquille. c'est tout récent. Ok. En fait, j'ai terminé mes études au mois de novembre. Je me suis pris à peu près 2-3 mois où j'étais vraiment renfermée de manière. J'ai décidé de couper tout contact social pour me concentrer sur ma thèse. Et j'ai vraiment pris ce temps-là de solitude pour me poser les bonnes questions et ce que je D'accord. voulais vraiment dans ma vie. Et je me suis rendu compte que je commençais à être prête à me marier. Parce qu'on D'accord. veut tous se marier, mais est-ce qu'on est réellement prêt à se marier? Moi, en tout cas, je trouvais que c'était un paramètre à ne pas négliger. Et donc, je me suis un peu laissé du temps, je me suis posé vraiment des vraies questions. Est-ce qu'aujourd'hui, je me sens capable de laisser entrer quelqu'un dans ma vie?
La réponse était oui, ça y est, maintenant tu as 28 ans, tu as terminé tes études, tu commences à te connaître dans ton cheminement personnel, je sais mieux ce que je veux, je sais où je veux aller de manière, enfin d'un côté professionnel, je sais où je veux aller. Et donc, il serait peut-être, pour moi aujourd'hui, c'est peut-être le moment de pouvoir rencontrer quelqu'un. D'accord, donc voilà. Tu es prête à rencontrer, si je comprends bien, tu te sens prête que depuis peu, ouais. En fait, vraiment, Ouais. tu t'es, voilà, t'as aussi pris le temps de te poser les Exactement. bonnes questions et tout. Et est-ce que, avant, tu avais quand même envie de te marier sans être forcément prête? Non, justement, c'est ça. D'accord. J'ai toujours eu des copines autour de moi qui me parlaient mariage tous les jours, toutes les semaines. Et je leur disais, j'en ai marre d'entendre vos histoires en replay, replay, replay. Occupez-vous de votre vie, utilisez ce temps pour faire des activités, des passions, etc. Et moi, j'ai toujours su qu'au fond de moi, c'était pas le bon moment. Je ne D'accord. voulais pas me marier. Quand je faisais des rencontres et que j'essayais de parler avec des personnes, je me rendais rapidement compte que finalement, en fait, je ne voulais pas me marier. D'accord, t'étais pas prête en Pas fait. du tout. Et mes parents me l'ont fait remarquer. Ils m'ont dit, il serait peut-être temps que tu penses un peu au mariage parce que projet, 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 mais à quel moment tu vas D'accord. laisser un homme rentrer dans ta vie? Et D'accord. en fait, le cheminement s'est fait tout seul. Donc, il ne faut pas trop se mettre la pression. Il faut s'écouter, chose qu'on a du mal à faire aujourd'hui. On a trop d'informations autour de nous. La pression des parents, la pression de la famille, les amis qui commencent à se caser à droite à gauche. Du coup, tu te dis, mais moi, je rencontre personne. Mais en fait, c'est peut-être juste pas le bon moment. Rebondis sur ce que tu viens de dire et je me demande en fait, ok, tu n'étais pas forcément prête et puis tu n'en avais pas forcément envie, tu avais des projets, tu avais une ambition notamment dans tes études et tout, donc tu étais assez focus finalement pour Exactement. pouvoir parvenir à tes fins et à réussir. Est-ce que si quelqu'un s'était présenté ou peut-être même que quelqu'un s'est présenté pendant tes études, est-ce que tu étais prête à quand même faire ça en parallèle et laisser une chance où tu te disais tout le temps non, même si on parle, même si on m'aborde en fait finalement, c'est mort là, je suis dans mon truc. Alors, j'ai eu l'occasion de me marier pendant mes études Ah, ok. et finalement, c'est moi qui ai pris la décision de ne pas aller jusqu'au mariage parce que je ne me sentais pas prête. D'accord, tout Tout simplement, hormis simplement. les études, quoi. Voilà, Toi, en tant que moi, femme, t'étais voilà, pas encore pas du prête tout. à t'investir dans le mariage, à Exactement. donner, à t'investir justement dans une relation amoureuse. Exactement. Et pourquoi? Parce que cette personne-là, je l'ai connue quand j'avais 21 ans. Aujourd'hui, j'en ai 28. Et D'accord. la personne que j'étais à mes 21 ans ne voit pas la vie comme je vois la vie aujourd'hui. D'accord. J'ai énormément pris en maturité, j'ai pris beaucoup de recul sur les choses et mon évolution n'est plus la même. Ce que D'accord. j'attendais de la vie à l'âge de 21 ans n'est plus ce que j'attends aujourd'hui à 28 ans. Et cette personne-là, aujourd'hui, quand j'essaye de me projeter, je vois que C'est plus pérenne, quoi. non, C'est-à-dire que, ouais, ok. elle est plus dans mes plans de vie, dans mes aspirations de vie, parce que je n'attends plus de la vie ce que j'attendais avant. Donc en fait, c'est pour moi, en tout cas personnellement, je parle pour moi, c'est une question d'être prêt intérieurement. D'accord. Si tu n'es pas prêt ou pas prête, il faut pas se lancer dans un mariage, selon moi, parce que tu risques d'évoluer différemment et deux personnes qui prennent un chemin différent, bah ça peut, C'est risqué. voilà, ça peut donner un divorce derrière. D'accord, donc du coup, à 21 ans, tu avais un certain mindset finalement, à 28, tu en as un autre. Moi, c'est vrai que quand on voit un peu les jeunes femmes, comment elles évoluent, et que certains hommes, par exemple, veulent des femmes très jeunes, je leur dis attention. En dessous de 26 ans, vraiment, c'est. D'ailleurs, on dit que le cerveau termine sa construction à l'âge de 25, tu es dans la Ouais. médecine en plus, 25 ans, c'est ça à Ouais, peu c'est près. ça. Donc, il y a un vrai truc de. On n'est pas. Moi, j'appelle ça un produit fini. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut se marier jeune, du coup, mais du coup, il vaudrait mieux se marier avec quelqu'un de jeune aussi. C'est-à-dire d'avoir 20 ans tous les deux et d'évoluer ensemble, Ensemble. parce qu'on se modèle très facilement, on est comme une pâte à modeler, et du coup, tous les deux. On va vers des projets de vie qui peuvent correspondre. Mais si on a un grand écart d'âge, alors du coup, effectivement, quand un des deux est beaucoup trop jeune, en tout cas moins de 25 ans, Ouais. eh ben, il y a un gros risque à ce qu'à 30 ans, bah, elle ou il découvre qu'en fait, ce n'est pas ça sa vraie vision de la vie et que ça fasse comme ça. Donc ça, c'est très intéressant ce que tu dis et je le confirme tous les jours avec l'agence, c'est que oui, il y a quelque chose qui se passe à partir de 26 ans. Ce qu'on voudrait être ou les ambitions qu'on a, eh ben, elles sont après vérifiées à 30, 40, 45, c'est le même genre d'homme en fait et de femme que celui qui était en train de se transformer en 26, 27 ans et Exactement. qui peut être totalement différent de la femme de 21 ans. Et du coup, j'ai une question, c'est la femme de 21 ans, qu'est-ce qu'elle avait envie de faire et qu'est-ce que la femme de 28 ans aujourd'hui, Arsène à 28 ans, bah, du tout ne projette plus du tout les mêmes choses. Alors, la Hersène de 21 ans, elle était jeune, mature pour ses 21 ans, mais encore très naïve sur la vie. À 21 ans, je pouvais vivre d'eau fraîche et d'amour.
Et à 28 ans, tu te rends compte qu'une relation sur le long terme, l'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas dans le sens où si les deux personnalités sont différentes, certes, il y a des couples qui marchent, selon moi, qui ont des personnalités différentes, mais ce que j'attends de la vie aujourd'hui, comme par exemple mes projets de vie, par exemple j'ai envie de m'expatrier à l'étranger, aujourd'hui, si je rencontre quelqu'un et qui me dit, moi, c'est pas du tout dans mes projets de vouloir aller vivre à l'étranger, on n'a pas la même projection de vie, donc je ne vais pas me lancer dans cette histoire. Et du coup, là, je dirais que la scène de 21 ans, elle était encore dans l'ère de l'innocence. Bisounours un petit peu. Bisounours, un peu, pour moi, c'est le prince charmant, avec de l'amour, on peut tout faire, mais non. La scène de 28 ans, elle a réalisé que pour construire des bases solides dans un couple, il y a un peu d'amour, parce qu'il faut mettre des palettes dans sa vie, mais il y a beaucoup de... Il faut Mental, réfléchir avec ouais, sa tête. c'est les deux, le cœur Voilà, et la raison. il faut être raisonné, je dirais un peu plus raisonné et un peu moins d'émotionnel, même si je sais qu'il y a En des fait, ça personnes. s'équilibre après. Voilà, c'est ça. Il y a des personnes qui disent oui, mais non. En tout cas, bon, je parle pour moi, SN. Aujourd'hui, je favorise le raisonnement et ensuite le côté émotionnel. D'accord. Voilà. Oui, tu te laisses pas emporter par les émotions pour Exactement. après découvrir Voilà. que dans la raison, ça marche pas. Exactement. D'abord, on voit si ça peut coller Exactement. raisonnablement et ensuite, on voit s'il y a des émotions Voilà, qui il faut arrivent. pas oublier qu'ils disent tous que l'amour dure 3 ans, ça sort pas de nulle part. Il y a des couples qui sont très très amoureux au bout de 3 ans, ils s'aiment plus que tout et qui finissent en divorce parce qu'ils ne se comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas les mêmes projets de vie. Et donc, Et la phase un peu voluptueuse du début, elle exactement, s'arrête. c'est Et là, ça. il faut vraiment. Et quand tu es face au concret, c'est sûr que tu as intérêt à avoir bien pensé en Exactement, c'est fait au ça. départ. Et je vois autour de moi, j'apprends des erreurs des autres, de leur expérience. J'hésite pas à poser des questions à des couples autour de moi. Et j'essaye de m'inculquer de leur parcours, de leur cheminement de vie. Et je me dis que oui, il faut penser avec sa tête, mine de rien. Et le côté raison doit un peu plus dépasser le côté émotionnel. Enfin, maintenant que tu sais que tu veux te marier, etc., qu'est-ce que tu mets en fait comme en place pour justement y parvenir? Et qu'est-ce qui te manquerait selon toi aujourd'hui pour trouver plus facilement quelqu'un? Alors, très très bonne question. À l'heure où je te parle, on est confiné. Donc, le 16 ou 17 mars, je ne sais plus exactement, ça fera un an qu'on est enfermé chez nous. Je vais te parler hors confinement. Hors confinement, j'ai l'habitude de rencontrer facilement des hommes. Ils ont l'habitude de venir à moi, que ce soit via Facebook. Je participe souvent à des événements associatifs, donc ils n'hésitent pas à venir me parler, etc. Pendant le confinement, encore une fois, j'étais focus sur la fin de mes études, donc j'ai absolument pas le temps de parler à qui que ce soit. Et c'est vrai que là, il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, je me suis dit, bah, je commence à me sentir prête. Qu'est-ce que je fais maintenant pour mettre en œuvre pour rencontrer quelqu'un? Et D'ailleurs, tu as une vidéo sur le sujet. exactement, c'est Allez ça. sur sa chaîne, Merci, Just Yersen, c'est merci ça? beaucoup. Ouais, c'est ça. Et du coup, confiné, on n'a pas le droit de sortir, enfin, couvre-feu, on Ouais, est c'est masqué, compliqué, ouais. distanciation sociale. Qu'est-ce qui reste? Pour rencontrer quelqu'un, les applications sur Internet. Donc j'ai testé les applications et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens pas sincères et pas sérieux. Et là, je me suis dit, il y a un dilemme, c'est que malheureusement, j'ai l'impression, et tu me diras si je me trompe, qu'en 2021, c'est très compliqué de trouver quelqu'un qui est sincère dans sa démarche et alors en plus qui te correspond toi. Parce que trouver des gens sincères, t'en trouveras. Mais trouver la personne qui colle avec toi et qui match dans tous les sens du terme, j'ai l'impression que c'est un peu devenu très très compliqué. Alors en fait, c'est compliqué. Alors le terme, je l'aime pas trop parce qu'en fait, tu sais, finalement, il suffit d'une bonne personne, tu vois. Donc mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les aspirations des hommes et des femmes, on en a discuté d'ailleurs dans ta dernière vidéo, ont hyper évolué Ouais. et du coup, il y a un gap qui s'est vraiment creusé. Tu vois, donc les hommes, les femmes, elles aspirent à des trucs de fou, les hommes aussi, mais en même temps, ils se trouvent plus en fait. Certains hommes vont puiser dans leurs traditions les plus profondes parce qu'ils comprennent pas pourquoi la femme, elle est tellement en partie dans ses rêves et dans ses trucs. Et puis de l'autre côté, les femmes, elles comprennent pas pourquoi les hommes, ils sont si terre à terre et qui Ouais. sont pas ouverts d'esprit. Et donc on le veut pratiquant, mais pas trop. On le veut charismatique, mais pas macho. On le veut tout ça. Donc tout ça mélangé, c'est assez compliqué. Après, je pense qu'il faut juste
creuser à chaque fois chez les personnes. Parce que derrière la face de la fille qui voyage, qui fait des trucs de folie et tout, il y a une fille qui est très sensible, il y a une femme qui a très envie d'avoir un foyer chaleureux avec des enfants, une bonne nourriture qui réunit tout le monde, avec le mari qui cuisine, la femme qui cuisine, faire des trucs sympas en famille. Et ça, en fait, c'est pas du tout l'image qu'elle va dégager quand elle est célibataire et qu'elle déchire sa life. Voilà. Et donc, et l'homme à côté, pareil, une femme comme toi, par exemple, ne doit pas être effrayée par un homme qui va paraître un peu trop comme ça. Oui, moi, de toute façon, pour moi, la femme, elle a sa place, l'homme, il a sa place. Parce que ça, c'est aussi une façade. Tout comme toi, tu as ta façade. Ouais. Lui, il a sa façade comme pour se protéger de « attention, je suis un bonhomme et il est hors de question que ma femme, ça soit pop et hop, etc. Ouais. » Donc, les deux, en fait, doivent se chercher, doivent apprendre à communiquer. Et aujourd'hui, oui, on communique plus très bien. Ouais. C'est quand même un dilemme, ou je ne sais plus comment dire, un paradoxe en fait. À l'ère des réseaux sociaux où la communication, elle va en deux secondes, tu parles à des gens dans l'autre bout de la terre, mais les hommes et les femmes ne savent plus parler ensemble. Donc c'est ça la difficulté en réalité. Mais il y a plein, en fait, on aspire à la même chose. Mais oui, clairement. Donc voilà, c'est mon avis par rapport à ça. Du coup, Hersène, tu m'as dit avoir essayé les applications de rencontres, que c'est pas si évident que ça finalement. En fait, il peut y avoir des gens bien, mais il faut chercher beaucoup. Tu viens de dire aussi que finalement, les gens, pour trouver quelqu'un qui te correspond, c'est pas forcément évident. Du coup, on peut peut-être raconter comment on s'est connus. Oui, alors c'est simple. J'ai tourné une vidéo sur la rupture amoureuse. Et dans ma tête, la next step, c'était une fois que tu as cicatrisé, que fais-tu ou comment fais-tu pour rencontrer quelqu'un ? Et donc, j'ai sondé un peu mes abonnés sur Instagram. Je leur ai demandé comment faites-vous aujourd'hui pour rencontrer des personnes ? Et j'ai eu pas mal de retours. Et donc, j'ai pris des témoignages. Et je me suis dit, ce serait cool d'avoir le témoignage d'une personne qui a l'expertise dans le domaine, mais qui matche les gens sans passer par le côté virtuel. Et c'est là que je t'ai découvert, en fait. D'accord. Et je me suis dit, je vais te contacter, te demander si tu as quelques minutes à m'accorder au téléphone, et je te remercie d'ailleurs. Merci. Et du coup, ensuite, on s'est retrouvés ici. Voilà. Ouais, parfait, ok. Donc, pour toi, l'agence Abeni ou les agences matrimoniales, s'il y en a d'autres qui prospèrent et qui arrivent, ça pourrait être une option que tu pourrais envisager, en fait. Ouais, clairement. Pourquoi ? Parce que les applications, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Mmh. Tu es constamment sur la défensive, constamment en train de faire le tri. Est-ce que ce qu'il me raconte, c'est vrai ? Est-ce que sa vie, c'est vrai ? Est-ce que sa photo, c'est la bonne photo ? Est-ce qu'il n'a pas une femme cachée quelque part ? Est-ce qu'il n'a pas des enfants cachés quelque part ? Donc, on retourne encore une fois sur ce côté démarche sincère. Tu ne sais pas sur qui tu peux tomber. D'accord. Et le fait de passer par une agence matrimoniale, il y a, je pense, un gage de fiabilité. Et donc, une personne qui va faire appel à tes services, c'est, pour moi, c'est qu'elle est vraiment déterminée et qu'elle a un fond sincère pour rencontrer quelqu'un. C'est sûr. Donc, c'est plus facile de rencontrer gratuitement et de faire n'importe quoi gratuitement. Voilà, exactement. Si alors on paye que là, il y a un cadre, on vérifie des choses, c'est certain que ce n'est pas les mêmes profils. Voilà, c'est ça. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. J'ai été ravie de te recevoir. Du coup, là, on est à l'agence, sur la péniche. C'est sympa, c'est comme cadre. C'est super original. Ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Du coup, on se retrouve aussi sur ta chaîne, parce qu'on va tourner une vidéo aussi pour ta chaîne. Exactement. Et puis, en tout cas, ravie d'avoir fait ta connaissance. Et pareil. À très vite, Inch'Allah. À très vite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Partagez-la à un maximum de personnes. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche et de vous abonner à ma chaîne. À bientôt. Et des pouces bleus. Et des pouces bleus.